Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis le président de la fondation Joël Crasson Espoir de Vie. Une fondation qui s'occupe des veuves, des orphelins, des personnes démunies. Et nous nous battons aussi pour l'éducation au niveau de l'Afrique. Alors, nous sommes aujourd'hui à cette date, juste mardi. Mardi 7 février 2023. Bon. Nous sommes en partenariat avec une école coranique. Ils font franco-arabe. C'est ça, non? Franco-arabe. Tout ça, c'est un partenariat. La fondation a décidé d'apporter une contribution chaque mois, juste pour aider cette école à pouvoir aider les enfants dans leur vision de pouvoir apporter de l'aide. Il faudrait le souligner du passage que c'est du bénévolat que les gens font. C'est du bénévolat, ça veut dire qu'ils ont décidé eux-mêmes volontairement d'aider des gens et donc il faut les accompagner. Pourquoi? Parce que c'est des enfants. Voilà, donc nous ne voyons pas le côté, moi je ne suis pas dans le côté religieux, ça ne m'intéresse pas. Voilà, comme il disait lui-même en tant que responsable de cette structure, c'est la première fois qu'il voyait un chrétien envoyer une contribution. Moi, c'est l'éducation qu'on apporte dans cette structure qui m'intéresse. Le reste, l'éducation, il faut canaliser les enfants, il faut leur apporter une éducation. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je ne sais pas que sûrement qu'au Sénégal, vous le savez très bien, vous le connaissez très bien. La fondation existe déjà en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, je suis en direct. On a une ONG qui s'occupe des enfants. Il y a aussi le côté au Gabon, au Mali. J'ai apporté ma contribution au Mali. J'ai apporté ma contribution dans beaucoup de pays africains. En Guinée, où je suis aussi installé, où il y a mon siège et tout ça. Donc pour nous, c'est aussi simple que ça. Il faut aider les gens. Voilà. Et j'aimerais que chaque Africain se sente heureux dans un pays africain. Et ce qu'on peut apporter comme contribution, il faudra le faire. Et comme ça, ça sera plus intéressant d'apporter une contribution parce que les gens en ont besoin. Hein. Les gens ont besoin de ça. Les gens ont plus besoin de ça que de les critiquer. Ils ont besoin de ça. Des personnes qui s'élèvent comme ça, du bénévolat, pour décider d'aider les enfants. Nous voyons ces enfants dans la rue ici, hein, bizarrement. C'est vrai que c'est objet de beaucoup de critiques, parce qu'on n'a pas envie d'aider des enfants, mais il y a une structure qui s'occupe clairement d'eux, et donc nous avons décidé de les aider. Voilà. Déjà, ça a été déjà fait dans le mois de janvier. Voilà, donc pour le mois de février, nous sommes en train de le faire maintenant. Voilà, chaque mois, nous avons décidé d'apporter une contribution, en fait, de pouvoir les aider. Nous communiquons pour dire qu'il faudrait que les gens suivent notre exemple. Ce n'est pas pour se faire voir. Normalement, c'est vrai que les gens ils disent que quand on donne, il ne faut pas faire la publicité autour de ça. Ce n'est pas une publicité qu'ils sont en train de faire. C'est pour motiver au maximum de gens à aider cette structure comme nous. Les aider. Voilà, les aider, ils font autant. Voilà, c'est aussi important que ça. Parce que si nous ne les aidons pas nos enfants, parce que le problème africain, il est un problème éducationnel. Je réponds, un problème éducationnel. Donc pour nous, où le besoin se fait ressentir tout de suite en matière éducationnelle, nous sommes concernés. Tout de suite. Vous savez bien le combat que j'ai mené en Guinée quand je suis arrivé, quand j'ai vu que le problème éducationnel était vraiment quelque chose de très plat, le bas niveau, et je me suis mis à fond dedans. Voilà, où j'ai écouté les gens, les instituteurs parler, etc. Je me suis mis à fond pendant une année, je me suis mis à fond, aider même les instituteurs, aider même l'État guinéen dans beaucoup de choses. Donc, pratiquement, on est ensemble. Voilà. C'est un reportage. On y va.
Comment on appelle ce quartier là? C'est votre quartier ça? Hein? C'est ton quartier là? Oui. Facile? Oui, facile. Il y a 26 minutes. Je suis d'accord déjà qu'un enfant ne doit pas rester à la maison. Les gens vont à l'école ici, c'est déjà bon. C'est déjà bien dans la tête pour ça. Bah, il faut emmener les enfants à l'école. Je suis venu pour qu'on visite tout, hein, tous les locaux. Hein. Tiens, descends d'ailleurs. Merci. Elle va filmer. Il faut déjà appeler le gars pour gérer ça. Faites-nous une promesse, hein, mensuelle. Voilà. On communique là-dessus parce que c'est important pour motiver les gens à faire autant. Il faudra que les gens, d'une manière de nous là, aident les gens. Si vous pouvez aider les gens dans les villages, et simplement envoyer les enfants à avoir une éducation de base. Parce que la foule en a besoin. La foule en a besoin. On va le faire. Hein. Et nous, c'est quelqu'un qui nous sollicite. Nous avons une maison, il est énorme parce que c'est plus de 500 enfants. Le riz, c'est pratiquement chaque 3, 4 jours, c'est tout. Alors, nous sommes en train de réfléchir. Je pense que la prochaine édition en mars, on envoie une tonne de riz, une tonne de riz, une chaleur. On envoie une tonne de riz. On envoie 3 trucs. Nous allons travailler de telle sorte qu'on a une tonne de riz, deux tonnes de riz. Jusqu'en fin d'année, qu'on soit en mesure, nous, au contact de fondation, de combler le besoin en matière de nourriture. C'est très important. Un enfant qui est rassasié, il peut écouter.
Il faut aider les gens. C'est pas une question. Les enfants, c'est pas une question de religion, de couleur de peau. Voilà. Hormis la religion, hormis la couleur. Il faut aider les gens. Et tu ne parles pas pour lui. C'est un être humain. C'est un méchant touchant. Ce que tu es en train de faire, nous motivons les gens. Voilà. Moi, la plupart de mes vrais amis sont les humains. Vous prenez pas son argent. Mais vous voulez dire que vous avez un peu de temps. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Non, 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 sinon il est en train de faire un bout de temps. Il est en train de faire un bout de temps. Il est en train de faire un bout de temps.
Il dit qu'il est content de votre présence. C'est pareil, je suis une contente. Et qu'il y a un homme qui a la main qui s'en est d'accord. Parce que Dieu vous donne une longue vie, sainte et beauté, vous et vos enfants. Amen, amen. Amen, arabe. Je commence à prendre l'arabe. Il dit qu'il est content de votre présence, mais aussi les enfants sont contents. Merci. Et c'est bien fait que vous venez de leur faire. On dit qu'il y a les mots qu'on dit. Et que tout ce que vous l'avez dit, vous avez dit, vous avez tenu les promesses. Il dit qu'il n'oublie pas les bonnes œuvres que vous avez faites lorsqu'ils étaient de passage dans votre bureau. Amen, amen. Il dit que c'est la première fois qu'ils aient une personne de bonne foi qui vient tout le temps. Il leur apporte du soutien. Je vous souhaite une longue vie. Merci. Santé. Et dit après le grand mari, après les comme il vous avait dit, les enfants sont là, ils ne sortent pas pour demander. Ils sont tout le temps ici, c'est ici pour manger le repas de midi. Les enfants, tu vois aussi, ils ont besoin d'une seule chose, l'éducation.
quelque chose, il faut rebaptiser ça, il faut mettre quelque chose. Et c'est ce que tu entends, les fois, on met un enfant au monde, il faut l'éduquer pour qu'elle soit utile à la société. Un enfant a besoin d'être protégé, peu importe la couleur de sa peau, ni sa religion. Ce qui me plaît, c'est que tu es très ouvert d'esprit. Je suis chrétien, tu es musulman, mais ton esprit est ouvert. Le don, je ne le fais pas en tant que chrétien, non, je le fais en tant qu'humain. Humain. Et parce que même moi, ma religion, c'est d'aider. Donc là, on n'est pas dans un cadre religieux. On est dans un cadre où les gens ont besoin. Donc je remercie la fondation. Et ça, je le dis toujours, cette fondation qui nous a mis en rapport. Ça, déjà, merci. À cause de cette fondation, je vous ai connu. Et je vous remercie à cette fondation. Oui, longue vie à cette fondation. Et j'ai découvert le problème. Et c'est moi maintenant que tu m'as invité à votre cérémonie. Mm-hmm. J'ai répondu et j'ai découvert beaucoup de choses. Et tu as besoin d'être, vous avez besoin d'être accompagné. Mm-hmm. Il faut que vous soyez accompagné. Parce que quand je vois même les enfants dans la rue, j'ai du mal à accepter qu'un enfant, 1h, 2h du matin, soit en train de demander de l'argent dans la rue. Un enfant, sa place, c'est dans une école. Il faut l'éduquer. Elle m'a dit que la plupart des gens qu'on fait sont les plus riches d'ici. Ils sont dans les grands magasins et tout ça. Mais parce qu'on leur a appris, à chercher de l'argent. On n'est pas demandé. Non, mais moi je m'adresse à vous. Le seul moyen pour avoir l'argent, c'est le travail. Pour avoir l'argent, il faut travailler. C'est pas aller mendier, il faut pas aller mendier. Quand tu mendies, tu es un sous-homme. Ça veut dire qu'on te banalise. Mais ta compétence, ce qui est dans ta tête, il faut que les gens te valorisent avec ce que tu as dans la tête. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec vous. Parce qu'il met quelque chose en vous qui permettra à vous qui êtes là d'être aussi utile à la société. D'éviter d'aller être djihadiste. Excuse-moi, hein, d'aller prendre les armes pour tuer les gens, d'aller prendre les armes pour braquer, d'aller voler. Parce que si tu voles, selon même la loi coranique, c'est condamné par Dieu. Voilà. Et comme il fait un grand travail, il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on le soutienne. Voilà. Au lieu d'aller donner un enfant dans la rue, je préfère lui donner. Parce que le travail qu'il fait, il est énorme. Pour occuper même d'un enfant, c'est un problème. La plus forte raison, tout ce monde. Moi, je prie à Allah que tu donnes longue vie, toi. Et à tous tes collaborateurs. Et ma porte est grandement ouverte, tu le sais, je t'ai déjà dit. Moi, j'ai une seule chose, je respecte ma parole, parce que la parole, c'est sacré. La parole, c'est sacré. Moi, quand je dis, je fais. Et je ne suis pas dedans, je ne fais pas. On est ensemble. La dernière fois, j'ai promis un sac de riz. Quand je t'ai écouté, je me dis, tu as besoin de plus de sacs de riz. Donc, on envoie 3 sacs de riz. Lui, le mois prochain, on va envoyer une tonne de riz. Non, c'est rien du tout. J'ai calculé, c'est rien. Ça fait 250 000 francs, c'est rien. Parce que vous mangez beaucoup aussi. Hein. Vous mangez beaucoup de kèbres. Hein, vous mangez beaucoup de kèbres. Chaque 4 jours, le riz finit. Mon ami, il faut qu'on l'aide. Voilà, il faut qu'on l'aide. Donc, moi, mettre un sac de riz, je trouve que c'est même pas beaucoup pour toi.
Tu vois, donc, j'ai envie de t'aider et je vais le faire. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais il faut que je t'aide. Et que toi, tu sois concentré sur aider ces petits-enfants, nos enfants. Voilà, et les petits frères. Voilà, il y a des choses, tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. Il faut qu'on t'enlève ça, ce souci-là. Donc, nous, on va se battre pour ça. Toute l'année, on va se battre pour ça. On se battra pour ça. Donc, on promet, on te donne les 100 000 francs. Pauvre. Pauvre. Tu quoi? Comme nous, on a compris. Nous, on a compris. Nous, on a compris. Nous, on il a fait l'oubli devant les gens. Vous comptez, hein? Quand on l'a pas froid. On me laisse la débrouche quand on l'a. C'est lui qui l'a acheté. Non, tu fais beaucoup. Ça, c'est pour ici. La prochaine fois, je prends mon programme. On va te garder ça maintenant. On a tout dit. Il faut que les gens, s'ils veulent t'aider, il faut qu'ils viennent t'aider. Venez aider les gens qui ont cette volonté d'amener les gens dans la rue, les enfants dans la rue, et de les mettre dans ce bon endroit-là pour les éduquer. On est ensemble. La prochaine doléance, je te demande le lundi, il faut m'envoyer le petit à mon bureau. Si tu peux venir à le bureau, le petit. Mais nous venons maintenant et nous allons venir. Bien. Cher Mbake, comment cher Mbake? Voilà, il faut venir avec lui. On va s'occuper de lui, officiellement. Je vais introduire son dossier. D'accord? J'ai promis. Mais on va rentrer dans la phase de la concrétisation du dossier. Il faut qu'on l'aide. Et je pense que si on le fait, c'est là que je vais. Et puis, on va venir en parler. Mais bon courage. Bon courage. Et puis, Dieu te donne l'envie. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. L'envie. Les enfants, lui, c'est un grand maître. Je le respecte pour son esprit d'ouverture. Il est bon. Et puis écoutez ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas passer votre vie, heureusement, on ne peut pas aller dans la rue demander. La vie d'un homme, c'est le travail. C'est d'abord l'éducation, ce que tu as, et puis ça donne la possibilité d'apporter quelque chose dans la société. Il ne faut pas les voler, il ne faut pas les braquer, il ne faut pas les tuer l'homme. Il faut apporter quelque chose dans la société. Vous avez compris? Si vous avez une éducation, vous avez une éducation, vous avez braquer, voler, tuer, c'est pas bon. Braquer, voler, c'est pas bon. Vous avez compris? Vous avez compris? Ah, voilà, ils ont voler, compris. Braquer, c'est pas bon. Parce que la meilleure manière d'avoir l'argent, la meilleure manière d'avoir l'argent, c'est de travailler durement. Voilà, c'est de travailler. Et ce qui va te faire avoir plus d'argent, c'est le travail. Il faut être éduqué. Il faut avoir quelque chose dans la tête. L'éducation. C'est la chose la plus importante. Vous m'avez compris? Dès que vous avez dit. Vous avez dit. Pour ce que vous avez dit, vous avez dit. Vous avez dit. Voilà. Nous, on sera là tout le temps pour aider. Pour apporter notre contribution. D'accord? Donc, vous avez dit. Chaque mois, vous avez dit qu'il faut être nimble. Vous, ce qu'on attend de vous, c'est d'étudier. Néna luñu xat ci yeen moy ngeen jang. Vous avez compris? Dég ngeen. Les 10 premiers, on va les récompenser. Néna les 10 premiers manam
Ouais, donc vous avez compris, hein, moi, c'est que je suis déjà, il pense qu'il fait beaucoup. Votre avis, hein? Il fait déjà beaucoup, donc je n'ai pas besoin de faire. Voilà, je pense que je répète ce qu'il en dit. Une société, la nation a besoin des hommes valides, des hommes intelligents, pas des agresseurs, pas des tueurs, pas des gens pour prendre des armes et tuer des gens. Parce que mes collègues, par exemple, Alors, comme je disais, on n'a pas besoin de vous donner des armes, aller tuer des gens. On n'a pas besoin des armes. Vous avez besoin d'être honnête dans la vie, de gagner votre argent honnêtement, de respecter les institutions d'un pays. Vous n'êtes pas là pour quitter le Sénégal. Vous êtes là pour l'Afrique et le monde. Vous êtes des collaborateurs. Thank you.
on a fini. On s'est compris tout de suite. Il a un esprit. Au fait, il est ouvert. Moi, j'avais peur. Non, il est moi, vous, c'est comment. Mais il est ouvert. Ah non, mais ça m'a plu. C'est ça qui m'a fait que je me suis plus attaché à lui. Moi, il est très ouvert. Et puis, il y a le travail qu'il fait. Il a besoin des gens comme nous pour l'encourager. Il faut qu'on l'encourage. On est ensemble. C'est Dieu qui fait. De toute façon, tu pries, il a pris pour nous. C'est Dieu qui met. Il passe par nous pour vous aider. C'est Dieu qui fait pour ça. Je remercie aussi la fondation qui nous a mis en place. On va prendre une photo de famille, venez. Toglen. C'est bon. J'ai compris. Thank you.
Regardez-ci, regardez-ci. Regardez-moi, regardez-moi. Ça, monsieur. Ah, ça, monsieur. Oui.